Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va se retrouver donc pour voir donc comment faire un ADC. Donc en fait, je vais faire comme pour mes l'astuce. Donc voilà, c'est un ADC. Donc là, je l'ai bouché avec de la pâte à fixe parce que j'avais fait un trou pour relier une fourmilière, mais il me sert plus donc j'ai rebouché. Et en fait, je vais faire ça pour la plupart de mes colonies parce qu'en fait, je trouve ça assez esthétique et je trouve ça, bah, on va dire, pratique donc pour nettoyer et tout ça. Alors donc tout d'abord vous prenez donc un petit peu essai. Je viens de le faire. Donc vous prenez des morceaux de pâte à fixe. Donc il vous en faudra 4. C'est pour maintenir le tube en fait dans la boîte. Donc je coupe mes petits morceaux. Donc déjà, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais le coller bien au fond. Et je vais mettre mes morceaux de pâte à fixe. Donc là, j'ai mis de l'anti-évasif, donc c'est du talc. Donc je sais plus c'était quoi comme talc. Donc du talc de Venise, ouais. Et donc ce talc, il est bien, il y a pas d'odeur, enfin de parfum pour les fourmis, donc je trouve ça bien. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, peut-être que je vais changer, que je vais mettre ça ici. Enfin, je vais voir. Enfin, pour l'instant, ça me dérange pas. Je vais essayer de mettre plus sur le côté. Bon, après, je vais remettre un petit peu de talc. Parce qu'en fait, on voit là, j'ai mis mes doigts, donc c'est pas très grave. Donc, je vais prendre mes Myrmica qui sont là-bas. Et je vais les renverser donc du coup dans le truc. Enfin déjà je vais refaire un petit peu de. Je vais remettre un peu de plâtre. Alors, donc, hop. Et ici. Merde. Putain, ça fait des trucs, ça m'énerve ça. Chaque fois ça retombe le talc. Du coup, je vais repasser un coup, donc je vais couper. Donc voilà, j'ai nettoyé le truc. Donc mes Myrmica, elles sont ici. Donc avec un petit criquet, un petit grillon que je leur avais donné. Les criquets, c'est largement trop gros. Bon, c'est une manière un peu brusque, mais bon, c'est pas très grave. Pas qu'il me pique. Donc désolé, j'ai eu un petit problème technique. Donc mes Myrmica donc elle commence à aller dans le truc. Donc, je l'ai fait tomber. Hop. Donc voilà, toute la colo est dans l'ADC que j'ai fait. Donc vous voyez le tube il commence à être sale un petit peu parce qu'en fait j'ai mis un verre de farine donc coupé en plusieurs morceaux et ça salit. Enfin ça devient sale. Donc après sinon, hop, petite gamelle, donc je vais la remplir déjà, je vais pas la mettre tout de suite, ça sert à rien s'il est vide. Donc sinon pour les abonnés qui souhaiteraient me demander par exemple une vidéo qu'ils n'ont pas encore vue sur la chaîne, bah demandez-moi, hein, c'est pas. Vous me dites, par exemple si vous avez des idées de vidéos que j'ai pas encore faites, vous me le dites et j'essaierai de vous faire ça. Donc là, je vais poser un tout petit peu d'eau sucrée, je ne mets pas beaucoup parce qu'après ils vont se noyer. Donc voilà, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais essayer de faire entrer la reine de l'autre côté dans le tube. Eh ben non, elle veut pas. Ça c'est compliqué. Parce qu'en fait,
Elle fait le contraire de ce que je lui dis. Donc là, on peut voir une petite qui inspecte le ver de farine qui sont tués. Le ver de farine, le grillon. C'est coriace ces petites bêtes-là. Hein, ça lâche pas. Elles attaquent la pince. Hop. Voilà. Bon, bah, je vais la laisser, je vais pas l'embêter plus que ça. Après, elles vont trop stresser. Donc, elle vient de sortir de diapause. La reine n'a pas encore fondu. Donc, voilà. Bon, toujours, je vais mettre un couvercle parce qu'on sait jamais, il faut prévoir les attaques d'acariens. Donc, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!